Bonjour, nous sommes le lundi 9 octobre. Bonne fête à tous les Denis. Et en ce temps de Coupe du Monde de rugby, j'ai une pensée pour le président des Barbarians, Denis Charvet. Soyez bénis. Prions. Vous savez, l'équipe de France aura fort à faire face à ces valeureux Springboks. Eh bien, nous confions déjà leur match héroïque. Nous le confions aussi, pourquoi pas, à Notre-Dame du rugby. Je vous invite à avoir cette confiance et à cette prière. Oui, l'équipe de France du rugby, c'est une belle équipe qui représente bien la France, avec à la fois ses différences, sa diversité, mais surtout son unité autour des valeurs d'équipe, ses valeurs de famille, ses valeurs aussi de, je dirais, de combat qui sont au cœur de la vie. Courage et combat. Le fils de la souffrance que chante Matt Redman, c'est aussi quelque chose de tout à fait au cœur même de ce que nous devons vivre avec le Christ Jésus. La série The Chosen montre très bien cette simplicité de Jésus, cet accueil, et aussi ce courage pour affronter le mal, détruire le mal en donnant sa vie. Et au fond, c'est la geste la plus belle qui soit. C'est pour ça que Jésus reste le héros par excellence, il n'y en aura pas de plus grand. Parce que, montant sur la croix, il a offert sa vie, il a même pardonné à ses bourreaux. Mais il n'a fait que le bien en passant. Et il a réuni une équipe, je dirais, invincible, invictus, dans cette résurrection, cette force de l'esprit. Alors c'est ce que je vous invite à vivre en ce lundi, à redire aussi que vous voulez bien être les disciples de ce Fils qui est monté sur la croix pour porter nos souffrances et qui les a vaincus, qui nous a délivrés. Amen. Qui est mon prochain ? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Va, et toi aussi, fais de même. Amen. » Très beau lundi au soleil.